Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui. Jada Toys, Lecto 1, véhicule emblématique des SOS Fantôme, donc Ghostbuster sous licence. Véhicule qui est en métal, c'est un véhicule que j'ai vu sur les sites internet depuis un moment et mon ami Marc de chez Figurine Collector m'a proposé de me l'envoyer pour vous en faire la review et la découvrir en même temps que vous. Donc on va voir tout ça ensemble. J'espère qu'elle n'est pas trop compliquée à déballer parce qu'il faut que je lui renvoie après et j'espère ne pas abîmer l'emballage en la déballant. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Boîte vitrine, on peut la laisser sous vitrine pour les personnes qui le désirent et la laisser sous boîte en question avec les logos Ghostbusters, où on peut la sortir et la laisser sur son espèce de socle qui est fourni avec. Au niveau du visuel, on a une boîte vitrine qui montre donc Lecto 1, le logo Ghostbusters. Sur l'arrière, eh bien, visuel de Lecto 1 également. Sur le dessus, le logo Metal Diecast qui nous montre donc que le véhicule est en métal. Et sur le dessous, toutes les licences utilisées. Donc Cadillac, GM Motors, Jada Toys, leur page Facebook, leur page Twitter et Instagram, pardon. C'est tout ce que l'on a sur la boîte. On découvre tout ça ensemble, on l'ouvre tout de suite. Alors voilà, une fois sorti du carton, on a donc le petit carton avec la voiture qui est installée. Je pensais qu'il y avait un socle et en fait non, elle est tenue simplement par un petit morceau en plastique. Et donc sur le dessous, vous avez deux vis à enlever. On va le faire ensemble tout de suite. Hop. Voilà, elle est sortie de son écrin, on la découvre ensemble, tout en métal au niveau de la carrosserie, donc pas de problème à ce niveau-là, tout ça c'est du métal, 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 tout le plastique pour le reste, pour tous les accessoires. Elle est certainement pas accurate à 2000%, je suis certain qu'il y a des trucs qui manquent par rapport au fil, mais on parle d'une voiture qui est dans les alentours d'une trentaine d'euros, entre 30 et 40 euros. Donc franchement, au niveau de la réalisation, c'est très, 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 très joli. Le capot va s'ouvrir, donc on va regarder ça ensemble, donc de face, le capot va s'ouvrir et va nous laisser apparaître donc le moteur à l'intérieur, que je vous montre tout de suite. Donc on a à l'intérieur, on voit le moteur, hop, ça se referme, les essuie-glaces, le pare-brise, les portes s'ouvrent également sur le côté, laissant apparaître le tableau de bord à l'intérieur avec les sièges, etc. On a la petite échelle, les haut-parleurs, j'allais dire n'importe quoi, les gyrophares, voilà, les gyrophares sur le dessus également. Rien ne s'allume, il n'y a pas de light-up, hein, donc forcément, on ne peut pas faire de bruit ni de light-up avec quoi que ce soit. C'est vraiment une voiture hyper simple, mais dans l'ensemble, on expose ça dans une vitrine et c'est hyper, hyper joli. Hein. Sur l'arrière, la petite à l'arrière ici va s'ouvrir également, hop, laissant apparaître également bel intérieur. On n'aura pas, par contre, la visibilité, par exemple, sur les Proton Pack ou quoi à l'intérieur, donc on n'aura rien de tout ça. Hein. La plaque, on a bien Ecto 1 qui est écrit sur l'arrière. Donc les logos Ghostbusters y sont également, Ecto 1 sur le devant avec une jolie calandre chromée. Mais vraiment, vraiment une très, 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 très jolie réalisation. Allez, je vous fais un petit visuel 360 degrés, à tout de suite. Voilà les amis, conclusion sur cette magnifique petite Ecto 1 de chez Jada Toys. Et bien franchement, ça fait le job, c'est très joli, c'est très bien géré, pas de peinture qui dégouline ou quoi que ce soit. Les logos sont à la bonne place, c'est pas des stickers, tout est peint. Donc sur les logos, sur les portières, c'est pas un truc collé, tout est en peinture, etc. Franchement, très très belle réalisation. Le prix, dans les 35-40 euros, je vous laisse aller voir sur le site de Marc de Figurine Collector, vous pouvez vous la procurer là-bas sans problème. Marc, que je remercie encore au passage pour le prêt de cette magnifique petite Ecto 1 afin de vous la faire découvrir. Voilà les amis, c'est tout pour moi, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.